Bienvenue, mes amis, dans l'antre du paranormal, épisode 7. Je suis aujourd'hui sur un pic où il y avait un ancien château médiéval, mais vous verrez naturellement tout ça tout au long de l'épisode. Donc, je ne vais pas vous rabâcher exactement tout ce que je vais vous dire dans l'épisode. Et donc voilà, vous avez vu que la nuit n'est pas tombée, ça ne serait tardé. Et donc je vais commencer à redescendre un petit peu plus bas au niveau des fameuses ruines, puisque là je suis vers la cuve, que vous verrez également dans le reportage. Et je vous invite, comme dans mon habitude, à partager, à liker, à disliker, et à nous rejoindre également sur le groupe Facebook, l'Antre du Paranormal. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma page, la chaîne YouTube, c'est Spiro, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous souhaite un super bon épisode dans l'antre du paranormal. Salut mes irrécupérables. Et ben voilà, je suis en marche pour l'épisode 7. Donc je suis dans un chemin, là je me rends à une ruine. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc il y a carrément des petits panneaux botaniques, ce qui est assez sympa comme chemin à visiter. Donc voilà, nous verrons bien si toutefois on tombe sur quelque chose ou pas. Si j'ai la chance de pouvoir rencontrer ou pas un phénomène. Personnellement, j'espère que pas. Voilà, suite aux nombreuses agressions qu'on a eues. Et voilà, regardez ces genres de petits panneaux. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'est tous ces petits genres de panneaux qu'on a. Vous voyez ? Et c'est tout. Oups, il est là, excusez-moi. Voilà, il y en a un peu partout sur le chemin, donc il nous montre un petit peu ce que c'est, ce qu'est ces plantes et tout. Voilà, il y en a là, il y en a, comme je vous dis, il y en a un petit peu partout, comme vous pouvez le voir. Donc là, je me rends à la ruine. C'était un ancien château. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et voilà, je suis tombé dessus, on va dire un petit peu par hasard, c'était voulu en fait. J'ai vu une ruine, je suis allé dessus pour voir un peu. Et je suis pas déçu car ça crapahute depuis tout à l'heure, donc j'ai une bonne demi-heure de marche. Et c'est pour ça que je vous dis que j'espère que je ne tomberai pas sur... On est vraiment dans la forêt encore une fois. Donc j'espère ne pas tomber sur... ou des sangliers, ou je ne sais quoi. Je découvre en même temps avec vous, là. Donc voilà, je monte. Espace sous surveillance. Ah bon ? Bon, déjà, apparemment, il parle de ma caméra. Mais regardez ce que je trouve en haut. Ah ouais, c'est carrément génial. Pour l'entretien du site, on a carrément un truc, vous avez vu ? Voilà, pour donner, pour les gens qui entretiennent le site. Et alors, quand je regarde là-haut, je suis émerveillé, non seulement pour la croix, mais pour la Vierge, qui domine vraiment tout le paysage en bas. Donc, je vais y monter, vous allez voir, hein.
Voilà. Et vous voyez, il y en a partout. Oh, c'est marrant. Regardez cette pierre dessinée. C'est curieux, quoi. Ah. Donc voilà. Allez, on se rejoint là-haut. Donc là, je suis vraiment sur une crête qui est à pic d'un côté, à pic de l'autre. Et j'arrive donc à la fameuse vierge. J'ai voulu grimper, excusez-moi, mais c'était cossu. On a un tronc, tout. Vous voyez, elle est hyper magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Elle est splendide. Voilà, elle domine vraiment toute la vallée. Vous pouvez voir ici. Donc vous voyez, encore une fois, bon, il y a vraiment, c'est un petit village qui est en bas. Qui est vraiment plus bas. Vous voyez, j'arrive du sentier qui est vraiment tout en bas là. Je sais pas, je vais zoomer. Hop. Donc voilà, quoi, j'arrive vraiment du bas de l'autre côté là-bas. Et donc voilà, on est vraiment dans un endroit, et donc plus loin, derrière ces arbres cachés, vous pourrez voir cette fameuse ruine de château. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc j'avais quand même à cœur, quand je l'ai vue, de vous la partager, et de vous partager aussi cette sublime vue. Vous voyez, il y a du vent, hein, la crête est là, quoi. Comme vous voyez, hein, des deux côtés, c'est à pic, donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais pas aller se péter la figure. Voilà, et on va attendre paisiblement là. La nuit tombe dans les ruines de ce fameux château. Vous en saurez plus tard. Vous pouvez voir en face, eh ben c'est le lac de Chalin, et vous avez aussi le pic de l'Aigle qui est juste derrière. Donc nous sommes dans la région, encore une fois, du Jura, l'une des plus belles régions de France, pour ne pas dire la plus belle. Voilà. Oh, comme c'est sympa. Donc on a un lieu qui est quand même assez visité, hein. Mais je vous le dis, il faut grimper. Donc avis aux amateurs, parce qu'il faut vraiment grimper. Vous voyez, je pense que c'est peut-être une cabane de chasse, je sais pas. Et oui, certainement. Bon. Et donc là, je pense que la ruine commence ici. On a un sublime ciel. Et voilà, donc on est dans un château, comme je vous l'ai dit, hein, qui est en ruine. Et voilà, c'est magnifique. Excusez-moi, en même temps je regarde, puisque ben c'est nouveau pour moi, donc vu que je ne le connais pas, en même temps, je regarde, il y a plein de plantes botaniques, c'est vraiment splendide. Donc on est dans un château médiéval de Miribel,
qui est située sur l'éperon rocheux. Alors on est au-dessus de Notre-Dame du Guet, hein, qui exista au XIIe siècle. Donc il y avait de nombreux villages environnants, hein, comme vous pouvez le voir. Et du hou, magnifique. Sublime hou, c'est femelle en plus avec les billes, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on arrive sur la ruine. Donc le premier seigneur est connu c'était en 1172 et c'était Gérard Ier de Vienne jusqu'au 14e ou au 15e siècle, il me semble. J'opte plus à mon avis pour le 15e. Et donc le château resta la propriété et souvent même la résidence de la maison de Vienne. C'était une puissante famille de la comté. Hein. Et donc voilà la fameuse ruine. Bon bah pareil, c'est des endroits qui sont en reconstruction, comme vous l'imaginez bien, puisqu'il y avait un tronc en bas pour entretenir le lieu. Et donc le plus célèbre personnage, c'était Jean de Vienne. C'était l'amiral de France en 1422. Donc le fief passa à Châlons-Arlay. Et donc voilà un petit peu pour l'histoire. Hein. Voilà un petit peu pour l'histoire. Donc il a été démantelé. Là, vous voyez, regardez, il y a encore tous les trucs pour justement reconstruire. On va dire refaire un petit peu les ruines, quoi. Je sais pas, c'est pour le remettre en ordre. J'ai pas plus d'informations que ça à vous donner. Alors encore une fois, chantier interdit au public, donc comme dans mon habitude dans les vidéos, je vous le déconseille fortement de venir vous aventurer sur des sites comme ça. Pas sur le chemin, mais vraiment où moi je vais aller, parce que vous savez très bien que je peux pas me retenir. Donc au fond, on a, je vous l'avais dit, le lac de Chalin. Et vraiment, tout au fond là-bas, c'est la Suisse. Donc encore un petit coucou à nos amis suisses. Et donc pour revenir au château, c'est un site de 400 mètres de long et de 20 mètres de large. Donc vous voyez, c'était pas non plus... c'était quand même pas mal. Voilà, il y a un logis. Là, c'est écrit logis B. Donc, après, ça sert pas spécialement quelque chose de passer le grillage, puisque on y voit assez clair. Et donc, il y a eu quand même... De bonnes batailles, naturellement. Et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, voir si effectivement il nous serait possible d'avoir un contact, pourquoi pas, de quelconque phénomène, ou tout simplement un sublime moment au pied de ce château. Donc voilà, la nuit va pas tarder de tomber. Je vais aller voir un peu plus loin quand même, puisqu'encore une fois je découvre avec vous, hein, donc je suis à l'affût surtout là. Je tourne la tête un peu partout, j'essaie de faire gaffe également où je mets les pieds. Et voilà. Oula, ok, c'est un peu abrupt, hein. Donc voilà, faire attention quand même, ça ne pas de se péter. La figure, oh la vue splendide, les gens je vous raconte pas, on est vraiment sur une vue... Donc voilà, là on a une
une citerne, laquelle j'étais tout à l'heure dessus. Et je redescends en faisant vachement gaffe parce que, encore une fois, je suis dans le noir total là. D'ailleurs, je vais éclairer puisque c'est vraiment à pic et j'ai vraiment pas envie de finir dans le trou là-bas. Voilà, on y voit un petit peu mieux. Alors, pardonnez-moi si, si l'image tremble et tout, puisque comme vous voyez, je descends sur des cailloux hyper à pic quoi. Donc je veux pas me péter la gueule, ça serait bien. Donc voilà. Donc, juste pour vous montrer où c'est que je suis monté. Putain, il y a un drôle. Donc voilà. Et là, ben, je vais commencer à repartir gentiment puisque ben, c'était un petit peu le but, c'était d'aller le plus au fond possible, d'attendre un peu et de partir après plus dans le milieu des ruines. Voir un peu si effectivement il y a quelque chose quoi. Donc voilà, je vous dis franchement, j'ai froid dans le dos. Tout à l'heure il m'est arrivé quelque chose déjà là au dessus. Bon, je n'y mets pas hein, encore une fois sur le paranormal hein. Vous avez vu, on est en pleine forêt, je fais très attention quand même, voilà. Mais bon, j'espère qu'il n'y a pas une saloperie de sanglier ou une je ne sais quoi qui traîne ici, surtout que ça. Pour descendre à la. Putain, vous avez entendu? Je sais pas si vous avez entendu. Et là voilà quoi, c'est le genre de bruit que j'entends. Alors bon. En plus ça tombe vraiment à pic, vous avez vu, les escaliers, c'est la putain de galère. C'est pour ça que je vais me rapprocher plus du centre là-bas. Et voilà quoi. C'est vraiment un endroit glauque ici. Je vous raconte même pas. Encore une fois, j'espère ne pas tomber sur une saloperie de cochon, de facochère, d'éléphant. Non, je rigole. Non, enfin bon, voilà quoi. Ça me fait chier de courir en kilt. Oui, je suis en kilt. Désolé. Vous allez me dire, mais quelle idée d'aller se foutre en kilt quand on va dans des endroits forestiers. Ben, on court plus vite. On a les jambes libres. Faut le portant de l'eau qui sert. Regardez. Vous voyez un petit peu. Donc, ça, c'était les pavés en fait, hein, d'avant quoi. Avec le pire nid de guêpe qui est là. Donc, voilà quoi. C'est sacré machin quand même. On voit bien les alvéoles. Donc voilà, ça servait à rien que j'aille plus bas, je l'avais dit déjà tout à l'heure, il y avait rien, donc on repart dans l'autre sens. Putain, vous avez entendu? Et ça fait deux fois. Ça fait déjà deux fois qu'il y a des drôles de trucs qui me tombent devant. Quoi. Alors on est dans la forêt, donc c'est pas la peine, on va pas s'alarmer non plus. Mais je vous dis, j'ai froid dans le dos. C'est vous savez, la sensation quand on a des putains de frissons de taré. Et ben c'est un peu ça, là. C'est un petit peu ça. Parce que là, je suis vraiment au cœur du bois, quoi. Il n'y a pas homme qui vive à plusieurs kilomètres. Enfin. Peut-être que si, il y a un homme qui vit, justement. Vous savez, cette putain de sensation d'être suivi? Ça me rappelle quelque chose. Ça, j'aime pas beaucoup ça. Donc, voilà quoi.
Donc là j'arrive à nouveau vers les fameuses ruines où il y a eu ce gros carnage avec Louis XI hein, qui a tout détruit ici. Hein. Il a tout pété le mec. C'était impressionnant. Oh là là, putain, ça m'a fait flipper. Je vous raconte même pas, il y a des drôles de trucs. Bon, après, ça doit venir des branches et tout. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je reste quand même assez lucide, si je peux dire. Vous voyez, et de retour justement en plein cœur là, je suis vraiment dans le centre du fameux château, donc du mur, hein. Enfin des ruines qui restent. Voilà, donc là je suis vraiment, vous voyez, dans le centre ici. À savoir, hein, c'est putain. Donc, encore une fois, j'entends des drôles de bruit. On n'est pas très à l'aise. Je vous assure que je suis vraiment pas à l'aise. Bizarrement. Voilà quoi. Deux secondes. Château. Et je vous assure que c'est d'une froideur, je suis pas du tout à l'aise. C'est impressionnant. Vous savez, j'ai l'impression d'être suivi, c'est ça qui me turlupine un peu. Quoi. Bon, je suis quand même un petit peu en plein cœur de la forêt, vous voyez, derrière moi. Donc le fameux. La fameuse ruine, j'espère que vous l'avez, oui, regardez, vous voyez tout ça, et donc voilà quoi, donc je reste un petit peu dans les coins, voir un petit peu si, effectivement, je vais essayer de provoquer un peu, on va voir. Bonjour, y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il une entité? Ça, c'est glauque. Y a-t-il une entité parmi nous? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, ni pour vous agresser. Simplement, j'aimerais pouvoir rentrer en contact avec vous, si possible. Est-ce que ce sont les branches? Je peux pas vous dire. Bon, je vais refilmer pour qu'on puisse voir à la caméra s'il y a quoi que ce soit. J'ai entendu un bruit de métal. Oh là! Putain, ça fait des drôles de bourrasques. C'est bizarre, c'est juste à côté. Ça vous prend vraiment, comme je vous dis, au. J'entends du bruit.
Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Ne soyez pas agressif envers moi, je m'appelle Seth Spiro. Je suis ici pour un tournage. Donc je filme pour l'antre du paranormal. Et mon truc, bah, c'est de faire les lieux comme ça, quoi, médiévaux, à l'abandon, les ruines, tout ça. Et découvrir un peu l'histoire. Et pourquoi pas, bah, tomber sur un phénomène. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit de métal. Ça fait deux fois que je l'entends et c'est pas très loin et pourtant il n'y a rien. Oh. Qui est là? Je sais pas si vous entendez comme moi, mais. Bon, alors après, hein, comme je vous ai dit, ça doit être des bruits de forêt, je pense. Vous savez, voilà quoi, on est vraiment dans la forêt. Donc je pense qu'on a vraiment des bruits qui sont vachement impressionnants, puisque, bah voilà quoi, tout seul dans une forêt, c'est sûr que c'est, voilà, en plein milieu de ruines. Putain, je crois bien, j'aimerais entendre encore ce morceau de métal. Il doit y avoir une branche qui tape sur un bout de métal, je pense. Par là. Et pourtant, je vois rien. C'est ça qui est bizarre. Je vois le métal. Mais je vois pas de branche qui tape dessus et qui fait vraiment ce bruit, quoi. Et pourtant, je l'entends ici, donc c'est ça qui. Il y a vraiment des bruits glauques. Même pas là. Je suis en sueur. Il doit être dans les minuit et demi, 1h du matin. Ça fait un petit moment que j'attends et ça a commencé à faire ces petits bruits, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché un petit peu du lieu. Mais oh! Oh putain. Honnêtement, je sais plus quoi faire. Est-ce que je reste dans le coin là ou est-ce que je descends plus du côté de la Vierge parce que ça fait partie aussi de tout. Tout le long fait partie de la ruine. Donc, et là, donc, je suis vraiment au centre, si vous voulez. Et, je trouve que c'est l'endroit le plus chargé pour le moment. C'est ici, quoi. Et c'est ici que c'est hyper impressionnant. Est-ce que je veux dire? Je ressens vraiment des drôles de trucs. Donc après. Putain! Qui est là? Qui êtes-vous? Y a-t-il quelqu'un ici?
Tu sais, encore une fois, je veux de mal à personne, je fais un reportage. Cela s'appelle l'an du... Putain, mais... Cela s'appelle l'an du paranormal. Qui êtes-vous? Il n'y a même pas de bestiole, il n'y a rien. Je viens d'entendre un putain de truc. C'était pas loin de moi. Putain. Je crois que je vais redescendre vers là. Oh! Je pense que je vais redescendre un peu. Je crois que ça va être dangereux de rester là. J'ai l'impression. J'ai pas du tout aimé là le truc qui est tombé pas loin de moi. Enfin, je sais pas ce que c'est qui est tombé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tombé, mais ce bruit. Et je vous dis, je me sens suivi depuis tout à l'heure. C'est un truc de malade. Et comme vous le voyez, je suis vraiment dans le bois. Et qui plus est, sur une crête. Donc il ne s'agit pas non plus de se péter la gueule. C'est le cas de le dire. Donc je sais pas si vous avez entendu jusqu'à présent. J'ai eu des drôles de... Ça continue. Il y a des drôles de sons. Alors comme je vous dis, hein, je suis dans la forêt, donc forcément, il y a des claquements d'arbres, des trucs de branches qui sont par là aussi, donc qui claquent certainement entre elles. Donc je relativise aussi un petit peu. J'évite de me mettre la panique, quoi. Mais là, il y a eu un truc quand même qui m'est arrivé tout à l'heure. Je descendais. Je me sens suivi. Je me sens suivi. Et bizarrement, comme je vous dis, l'air, enfin, ça a changé l'atmosphère, quoi. On est dans une atmosphère plutôt lourde. Et j'ai essayé de provoquer tout à l'heure, voir un peu s'il y avait quelque chose. J'entends vraiment trop de bruit, c'est un truc de malade. J'espère qu'on va les capter à la caméra. Ce que je vais faire, je vais descendre du côté de la Vierge pour voir au niveau de la crête, parce que pareil, il y avait pas mal de... Enfin, c'était les ruines, elles faisaient tout le long, quoi. Donc je remets la caméra dans le sens. Vous entendez pas respirer. Comme s'il y a une bestiole ou je ne sais quoi. Oh! Putain! Wow, c'est quoi ce truc de malade ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Donc là, si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai emmené. On arrive vers la Sainte Vierge. Et
vraiment sur la crête, quoi. Donc c'est là qu'on doit passer. Le truc, c'est qu'il s'agit de faire vraiment très gaffe. Qui est à 10 000, là, je viens d'entendre un truc de taré juste derrière moi. En plus, c'est une sorte de voix, je sais pas, de comme un bourdonnement, mais bizarre, quoi. Donc, oh, putain, voilà. Je souffle deux minutes parce que là, honnêtement, j'en peux plus, quoi. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, essayez de redescendre ça. Putain. Alors, on n'y voit rien du tout. On est avec ma pauvre lampe. Heureusement. Oh! Sainte Vierge derrière moi, je vous dis franc. Putain, une drôle de lumière derrière moi. Putain, je vous dis franchement, je suis pas en confiance ici. Putain. Écoutez, je vais remettre la caméra droite parce que je suis vraiment sur une crête et que j'ai pas envie de tomber dans le précipice. Je vous assure, ça craque dans tous les sens. C'est un endroit de taré ici. Je vais redescendre. C'est hyper glauque, en plus les cloches de fond, quoi. C'est vraiment genre... Je suis en train de redescendre là. Ce que je vous dis, je suis en train de redescendre petit à petit. J'ai vu une lumière là, je sais pas qu'est-ce que c'était. Un genre de flash qui est passé devant moi, devant la caméra.
chelou. Y a quelqu'un ici? Ne me suivez pas, s'il vous plaît. Si vous êtes une entité, ne me suivez pas. Je vous l'ordonne, au nom du Christ. Ne me suivez pas. Putain, vous avez entendu ça? Ouais, c'est bon, je me casse. Je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. Surtout que j'ai toute la descente à me taper. Et honnêtement, voilà. Je suis pas rassuré du tout. Je vous le dis franchement, mais alors pas du tout. C'est vraiment des endroits... pas venir seul la nuit. Je pense que c'est assez chargé en passé. Putain, mais ça descend. Le problème, c'est qu'après, je sais que ça tournait, je sais plus où c'est. Ça a l'air d'être ça, le chemin. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Putain, on dirait qu'il y a quelque chose qui me suit, ça me prend la tête. Ah! Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain! Merde! Qu'est-ce que c'est que cette putain de saloperie qui me fonce dessus? Vitesse 3D. Putain. J'ai entendu un de ces trucs de taré. Juste vers moi. Et là, franchement. Je sais vraiment pas d'où ça venait, mais ça avait pas l'air d'être cool. En tout cas, voilà. Je sais pas d'où ça venait. J'ai entendu un bruit de taré. Un truc sorti de nulle part. Je sais pas, c'est pas une branche, peut-être qu'elle a craqué, je sais pas, je peux pas vous dire, mais bon. J'y ai trouvé l'atmosphère hyper lourde. Vraiment, l'ambiance était hyper glauque. Et encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. C'était l'an du paranormal. À bientôt.